Tess, viens me voir chez Macal. C'est une menace. Une offre de paix. J'allais dire, j'ai pas trop giga envie de te voir, Gorak. Enfin, vu ce que j'ai fait, je tiens à ma vie. Un tant soit peu, quand même. Un minimum. Ça me paraît pas la bonne idée. Par contre, ça veut dire qu'on a plein de quêtes, là, du coup. Il faut qu'on améliore notre speeder. Ok. On a une opportunité d'augmentation de réputation avec les pikes. Et on a aussi d'essayer de gagner au sabac. Mais ça, par contre, c'est du secondaire. Enfin, en fait, ils nous le mettent dans les quêtes, mais clairement, ils nous le disent, quoi. C'est écrit opportunité de syndicat, quête de syndicat, et là, quête secondaire. Donc, finalement, si là, je veux continuer de monter une autre réputation, et eux, les faire plus tard, dans l'idée, je peux. Je ne suis pas obligée. Donc, c'est bien. Ok. C'est où, ça? On peut essayer d'aller voir si on peut gagner. On sait jamais, sur un malentendu. Peut-être que... Voilà. C'est pas du tout par là. C'est où? Enfin, en fait, là, je suis dans un cul-de-sac, quoi. Ah, c'est au-dessus, en fait. Attends, mais je suis où, moi? Ah non, je suis là. Je croyais que j'étais la flèche, là. N'importe quoi. C'est une flèche aussi, mais c'est pas la mienne. Allez, on va essayer de gagner. Cela étant, il y a quand même une grosse part de chance hein, là-dessus. Donc il doit être là-dedans. Occupé. C'est où ceux qui jouent? Je les ai pas vus. Ou... Ah, voilà, ils sont au-dessus. Je sais pas s'il y a un au-dessus de ici. Ah non, ils sont en dessous. Yeah. Enfin, je pense qu'il y a une flèche vers le bas. Non? Ah, celle. Et tu es? Keyves, j'ai été invité par Danka. Vraiment? Bon. Très bien. C'est par ici qu'on joue? Ah oh, ouais. Gagne pas un peu, je vais devoir partir en courant sans payer. Ah bah super. Je gagne pas un peu, je pars en courant sans payer. Hey coucou Koneko. Moi c'est Kiki. Bon, tu t'assois Kay ou pas? Alors, ça veut dire quoi tous ces symboles? Sérieusement? Et Danka t'a invité? Ouais. Mon nom c'est Keyves. On joue? Ok. Wow. Il y a un colis à gagner. Vas-y, on mise. Bah ça va, et toi Koneko? Du coup, on a tous nos jetons, nos trucs. Ok. Il reste une place? Donc là, on a un 2 et un 6. Bon, 2, c'est pas mal. C'est moi ou il y a un 6, là? Genre, ni vu ni qu'une, tiens. Du coup, moi, je paye pas pour piocher. Voilà, regardez ce que j'ai. Donc, piocher. Nouvelle carte. Moi, vouloir ça. Donc, on jette le 6. On a une paire. On a une paire. En vrai, on est bien, là. Paire de deux, moi, j'ai envie de rien faire. Je la garde et tranquillou. Embargo. Mm-hmm. Le joueur suivant passe son tour. Il est sérieux. Bah, on a le choix entre un 2 ou un 6, je crois, c'est le truc. Puis, de toute façon, je suis en mode passer mon tour, j'ai pas le choix. Non. À cause de lui, il a utilisé un truc qui m'a forcé à passer mon tour. De toute façon, j'aurais pas joué. Donc...
je me souviens. Tiens. Prends ça. Et hop. Voilà. Et non, bah, je continue de passer en vrai. Oui, oui. C'est bon pour moi. C'est pas mal entre ma paire et mes jetons. 6, 6. Ah. Mais bon, au mieux, elle a une paire de 3. Voilà. Facile. Et bingo! Du coup, il rejoue. Pourquoi on rejoue? Pourquoi on rejoue? Ah, j'avais pas trop compris ça comme ça, moi. D'accord. Ok. Non, je veux rien jouer. Je veux, ben, piocher. On a le choix entre un 4 ou... c'est en 3 manches. C'est pour ça que je t'avais dit de faire attention à tes bonus. Ah, mais je savais pas. D'habitude, c'est en 3 tours et on a fini. Allez, allez. Ah, mais quoi que non. C'est ça qu'il me faut. J'avais pas vu qu'il y avait un 1. Je l'ai pas vu. Bah ouais, let's go, on prend L. Tac, et donc on jette la 6. Vas-y. Bon, moi, clairement, je fais rien. Non, c'est bon. Elle a plus de pouvoir là-bas. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas eu le temps de lire. La valeur de l'imposteur est jusqu'à 6, je sais pas quoi. Du coup, je repasse mon tour. Et bim. Haim Sabak. On dirait que c'est mon jour de chance. Ok. Oh, ça doit être mon jour de chance. Bien joué. Danka avait raison à ton sujet. Tu voudrais jouer avec de vrais flambeurs? Ok, oui. Danka aura certainement quelque chose pour toi. Merci pour les crédits. Bon, une fois que c'est nous qui gagnons. Et bim! On a eu un collier en ambrine. Qu'est-ce que c'est? Équipement. C'est pas un truc comme ça. Peut-être un truc qui vaut de l'argent. Hey, tu as impressionné mes associés. Tu connais. Merci pour les GG! Une table au salon de. Et bon appétit pour ceux qui sont en train de manger aussi. Comment il a pu décrocher une table? Son patron a l'air de l'apprécier. T'es partante. Je suppose, ouais. Pour faire quoi? Pour refaire du jeu? Snack. Confrontation aux lourds enjeux. Parce que j'ai pas entendu le début de sa quête, en fait. Confrontation aux lourds enjeux. Elle est où? Ah là. Non, mais entrer dans le salon de Caslo. Ah oui, pour du coup regagner au Sabak, quoi. D'accord. En tant qu'as du sabbat. Ça, c'est tous les petits trucs qu'on a débloqués tout à l'heure. Le barman de la gargote, ok. Là, ils sont où les...
Les E là. Et coucou Fia Breton. Et coucou Johanna. Merci Fia Breton pour le luck. Et sinon, moi ça va, ça va. Et toi, comment vas-tu, Johanna? C'est quoi ton avis sur le jeu? Eh bien, écoute, il est très immersif. J'ai l'impression de voir un peu tout et rien. C'est-à-dire que on avance, hein, mais j'ai l'impression que on patauge. Il est pas super facile, par contre, pour l'infiltration. Alors, au-delà du fait que moi, je n'ai pas un potentiel d'infiltration infaillible, il n'empêche que des fois, c'est un peu rude. Mais si moi, j'y arrive, c'est que vous pouvez y arriver. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Parce que moi, je suis pas reconnue pour mon potentiel d'infiltration. Ça veut pas dire que j'ai zéro potentiel, hein, ça veut juste dire que j'en ai pas en infiltration, c'est tout. Zone de recherche. De recherche de quoi? Donc là, il est par là-bas, le truc. Mais sinon, il est sympa, il y a beaucoup de choses à faire. Quelques petites difficultés que j'ai eues au niveau réglage graphique. Mais rien non plus de... Dites, affreux, chez Gaslow, vous connaissez? Allez demander dans cette ruelle. Ok. Le salon. Dites, chez Gaslow, ça vous parle? Ah, oh, bien sûr. Vous pouvez me dire où c'est? Si vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez bien me filer quelques crédits. Genre lui, il nous croise dans la rue, il nous dit tiens, file-moi des sous. Tant pis, je trouverai ça toute seule. C'est rigolo, lui. C'est rigolo, celui-là. Comment ça va? Hé, c'est vous, Gaslow? Dites-moi, Bona. Ça doit être ici. Viens, Nyx. On va trouver une autre entrée. Nyx, elle lui tourne dessus. Ben, je pense que j'ai vu le petit passage là. À mon avis, Nyx, elle peut faire un truc. Mais faut juste savoir quoi. Là-bas, là. Mais on a un autre point de vue possible. De l'envoyer par ici, je vois pas trop pourquoi faire. Bon, c'est clairement au fond, je pense que ça joue, mais... Ah, oula. On peut pas l'envoyer à travers. Nyx, distraction. Bon, voilà, on revoit les bases, Nyx. Donc c'est bien ici qu'on rentre, mais là on peut pas. Ah, c'est frustrant parce que je vois pas ce qu'on peut faire. Il fallait qu'on aille, comme je disais, de l'autre côté, mais. Tant faut-il qu'on trouve. On verra pas qu'il s'active. Elle est en bas là. Je pense en vrai on va faire ça. Ah, je peux pas passer par là. Est-ce que par le dessous je peux y aller? Oui, ça allait.
Nixie, pas de bruit. Yeah. Ah, on est là. Ah, mais ça m'aide pas trop du coup, cette connerie. Parce que je suis repassée là, mais j'ai pas atteint l'endroit que je voulais. Oui, parce que l'objectif, c'est d'aller au fond de ce truc. Il y a peut-être un truc dans la pièce. Enfin, je l'ai pas vu, mais on va essayer d'y retourner. Dans la pièce, je vois rien. Parce que dans l'idée, il faudrait qu'on aille là-haut, mais on peut pas. On n'est pas censé faire du parcours dans le jeu. Bon, voilà. On n'est pas censé être sur ce truc, on grimpe pas sur ce truc. Mais je pense que mon délire de vouloir passer par l'extérieur, du coup, ça a pas l'air fifou. C'est assez frustrant quand même. On va pas se mentir. Ah non, on passe pas. C'était bleu. Bleu, c'était gentil. Mais apparemment, ben, c'est pas gentil. Je pense encore une fois que ce que je veux atteindre, je peux pas. Ou alors il faut faire des contrats, vous savez, pour atteindre, enfin pour savoir un mot de passe ou j'en sais rien. Hey, c'est chez Caslo ici? Non. Nous ici, on a un permis. Ouais, ça c'est le petit pousset pour me mener jusqu'à Caslo, mais... Je crois qu'il n'y a rien à écouter. Là, on est ici. On est où en fait? J'allais dire à un moment donné, il faut lâcher. Oh. On a réussi? T'as rien à faire ici. Ah ouais. Oh, je veux juste jouer au sabac. T'en parleras à personne de ce petit salon de jeu. C'est mes crédits qui parleront. Alors ça me va. Oui, c'est le truc du coup, ils ont pas de licence ou je sais pas. Bon, on est en mode sabac, hein. Clairement, là, on enchaîne. Bon, mais la chance nous a souri. C'est bon de vous revoir. Avec l'aube, tout ça, ça va? Ah, l'intruse. Eh bien, il ira peut se montrer pénible. Mais que veux-tu? Aux grandes mises, les grandes récompenses. C'est pour ça que j'ai un bonus. Écoutez, je vous préviens. Je suis plutôt douée maintenant. Waouh, tu es devenue une grosse flambeuse. N'oublie pas, pas de triche. Je garde un œil sur ton petit copain. Regardez le temps que vous voulez. Je prendrai quand même vos crédits. Ok. Tu sais quoi? Comme t'aimes bien ouvrir ta grande bouche, je vais ajouter un petit truc spécial dans le pot. Allez, on joue. On joue. Un élément esthétique. Mise 200. Très bien. Tu ne feras pas le feu à cette table. Par contre, il y a un moyen d'améliorer notre deck et tout. Bon, des cartes bien. Paire de 6 encore? Terrible. Caca boudin de ouf.
Piocher. Nouvelle carte. Vas-y. Ouais, je prends pas le bonus. Trop aléatoire. Oh, on a eu un 2. Stylé. Vas-y, jette ça. Là, il y a quoi? Alors... Ah, il y a un autre 2, j'avais même pas vu. Bon, c'est bon, moi, je prends ça. Ouah, mais lui, il a plein de jetons là-bas, c'est ouf. Moi, je vais du coup récupérer mes deux jetons. Action. Et je passe mon tour. Je garde mes deux. Aïe 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 aïe. Wouah, mais c'est quoi ces jeux? Ok. Ils ont des sacrés jeux. Oh, j'ai un sacré jeu. Même si, ne l'oublions pas, la bidouille là, elle est pas extraordinaire quand même. Par contre, il y a un 1 là, si je ne m'abuse. Oui, ceci est un 1. Ceci m'intéresse beaucoup. Voilà. Tout ça, donc, pour cette carte-là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'à la fin, pour connaître sa valeur, vous jetez un dé. Donc, soit c'est cool, soit c'est pas cool. Autant se valider une paire de 1, parce que l'objectif est d'avoir la paire la plus petite. On va leur récupérer les jetons. Et voilà. Allez-y. Bah, j'ai récupéré, mais en gros, il le pose, quoi. Pas vraiment à récupérer. Ce qui est vraiment un truc pour récupérer les jetons. Faut dire les termes comme ils sont. Ah bah, super. Ça commence à faire beaucoup de jetons de mise, là. Ou pas. Non, c'est bon. J'ai ma paire, j'aime bien. Coucou Totof Zebuldo, bienvenue à toi. I'm Sabak. Ok. Elle, on est bien. Ok, c'était trop facile. Yes. Alors lui, du coup, j'en a plus parce qu'il avait plus de jetons de mise, je crois, que moi. Un délire comme ça. Donc... Ah mais c'est trop bien! On a la carte là qui permet d'avoir l'imitation de la première. Je crois que c'est ça le bon... Ah non, c'est un 3, pardon, excusez-moi. Je confonds. Je confonds de carte. On va faire en sorte qu'on ne paye pas pour cette pioche-là. Et donc, on pioche. Allez, allez. Et là, par contre, c'est les cartes cheatées qui imitent les autres. Donc, là, clairement, je vais prendre la jaune pour qu'il imite là un rouge. Hop, on jette notre 3. Eh, on sait qu'elle en a une aussi. Mais bon, j'ai un 1. Je peux difficilement être mieux. Hein. Enfin, honnêtement... ce serait compliqué. Ok. Ben non. Je passe.
Donc elle, là, elle me bat si jamais elle... elle a une paire, en gros, de bonus, quoi. Mais moi, je t'avais insécurisé. Non. Silob Sabak. Yes. Vous avez entendu le droïde. Hihihi. Encore ? Parce qu'il doit avoir des ex-éco, non ? Oh, on est plus que deux à jouer. Et on doit être ex-éco dans le nombre de points, je pense. Parce que je vois pas mes points, moi, mais je pense qu'on est ex-éco. Bon, j'ai un 2 et un 6. Ok. Ben, clairement, le 6, ça pue. Ah, il y a un 1, là. Non, je préfère piocher une jaune. Ma jaune, elle est vraiment trop nulle. Ah bah tiens. Paire de deux. C'est déjà... C'est pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Après, il y a un petit truc génial que nous, on a, mais qu'on peut faire, c'est tricher avec Nyx. Mais je crois que là, on n'a pas le droit. Je crois que là, je peux pas tricher. Je passe. Altima Gininolia. Non. Croisez les patounes, les Kiki. Yes. On a mieux que toi. Sabak. Ça, c'est pour moi. Bon, on a gagné. Pas. Ah, bah ça, ah si, ça y est. On dirait que j'ai gagné. Ouais, ouais. Prends pas la grosse tête. Chouette partie, Boss Nock. Sympa de voir un visage familier. Reviens quand tu veux. Je finirai bien par tout te reprendre. Comment je me suis marrée. Et vous? Je sais reconnaître quand j'ai perdu. Clairement, ils font du lapoir. D'après la rumeur, tu aurais battu Boss Nock au sabac. Il a eu un butin. Bien sûr que c'est vrai. J'ai une réputation véhicule, à tenir, tous les joueurs de Mirogana connaissent ton nom maintenant, petite. Attends-toi à recevoir des invitations de la part de gros flambeurs venant d'autres planètes. Ah ouais. Ça me va. Merci pour les GG.